mon dernier jour au salon. Il n'y a pas grand monde, vous voyez, c'est pas la foule. Et tant mieux, on va pouvoir aller faire des choses un peu drôles, voir les choses un peu marrantes du salon. Et comme on est des Bourges, on va pas passer par la même entrée que tout le monde. On va passer évidemment par l'entrée de professionnels. C'était d'avoir quelque chose aussi qualitatif que ce qu'on fait. Après, des fois, il y en a des dizaines qui existent. Ça kick sévère aujourd'hui. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai une conférence qu'il faut que je prépare d'ici pas longtemps. Monsieur Philippe Echarroux est ici. Et je ne le vois pas avec ma main, mais je sais qu'il est à côté. Je croyais que c'était une photo. Mais non, c'est une vidéo. Et donc, on te revoit bientôt dans F1 4 ? Exactement. Pour un truc, un délire, un gros délire sur Lyon ? On verra bien. À bientôt. F24. On va tourner l'introduction. L'introduction du salon de la photo. On va vous introduire comme il faut. Oh, j'ai touché le fond hier soir. Allez dans ta cuve. Hey. Dites quelque chose. Ah bisous. Mmh. Au revoir. Pourquoi pour l'argentique il faut une imprimante? Alors ça c'est pour les procédés anciens. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que l'argentique, il y a des procédés qui datent du début de l'argentique, voire d'avant l'argentique. On utilise d'autres produits comme le cyanotype, le Van Dyck, des choses comme ça. C'est des tirages qui se font par contact. C'est une imprimante d'époque. C'est une imprimante de l'époque, exactement. Il y a la date. Et donc il faut pédaler dessus. C'est 205 après Jésus-Christ. On met des vieux rouleaux et on pédale et ça sort automatiquement. Il n'y avait pas que ça, mais on te montrera peut-être plus tard le collodion, des petites choses comme ça, mais ça, ce sera pour plus tard. Un appareil photo argentique sous l'eau, on le fait pour l'année prochaine ? Ce sera pour l'année prochaine. Non, mais faut qu'il marche. Ça marche parce qu'un appareil photo sous l'eau c'est facile. Mais je prends n'importe quel. Faut qu'il marche. Oui, non, mais on peut en faire. Non, mais dis rien. À la chambre. À la chambre. Ah non, pas à la chambre. Ah si, à la chambre. À la chambre sous l'eau. À la chambre sous l'eau, c'est ce qu'on avait dit. Non, t'as dit avec n'importe quel appareil. Non, j'ai dit, là je redis, avec à la chambre sous l'eau. C'est facile. Sérieux ? Ouais. Vas-y, j'ai pas. Voilà, donc c'est la fin du salon. Vous voyez derrière moi, vous voyez des plans du salon qui est en train de se démolir complètement. Et ça, c'est juste absolument génial. Et là, vous voyez derrière les petites tamons qui s'activent. On peut plus. Voilà, le salon est fini, je suis encore à Paris, je suis encore dans l'appartement, il faut que je fasse ma valise, le train est pour demain, fin de matinée.
prendre une bonne nuit de repos pour rentrer et pour du coup bosser dès demain après-midi dans, sur les nouveautés 4 qui vont arriver, tout contacter toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors du salon. Je pense que ça va être un sacré boulot, voir que je monte cette vidéo aussi, ça va être un sacré truc. Encore un salon, salon 2015, c'est le 4e salon que je fais, c'est un truc quand même, je pensais pas que ça arriverait aussi loin. Franchement, c'était vraiment cool de vous voir tous ceux qui sont venus, de vous voir en vrai, d'avoir tous ces kinders, d'avoir tous ces retours ultra positifs. Ça m'a touché, ça m'a vraiment beaucoup touché. Même un qui a réussi à me faire chialer samedi. Enfin non, qui a failli réussir à me faire chialer. Non, j'ai pas chialé, qui a failli réussir à me faire chialer. En tout cas, l'année prochaine, on est de retour. L'année prochaine, il y aura toujours le salon de la photo, il y aura toujours des choses, il y aura encore plein de nouvelles choses. J'ai hâte d'être dans un an pour voir ce que ça va donner. J'ai hâte, vraiment hâte. Mais là, je crois que je vais aller faire dodo. Parce qu'il y a besoin d'aller faire dodo. Surtout, je vous dis à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bon, est-ce qu'il serait pas temps quand même de sortir ce qu'il faut vraiment, hein? Est-ce qu'il serait vraiment pas temps, hein, de sortir de la vraie, de ce qu'il faut vraiment? Eh ben merci pour la barbare et à la tienne.